Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir des séries d'applications Android super pratiques pour vos utilisations, voilà, pour l'utilisation de votre téléphone. Voilà. Donc, c'est des applications que j'ai eu à tester, que j'espère aussi que vous allez aimer. Et comme je le dis, lorsque je présente des applications, j'ai cette tendance-là à envoyer ces applications-là le lendemain dans la communauté pour permettre à tout le monde d'avoir en fait, voilà, d'avoir en fait ces applications-là facilement. Pourquoi le lendemain? Pour permettre à ceux aussi qui viennent de voir cette vidéo, vu que j'insère toujours le lien de la communauté dans la vidéo que je partage, de pouvoir intégrer le groupe, la communauté. Voilà, de pouvoir intégrer la communauté afin de recevoir aussi ces applications-là. Voilà. Donc, comme je le dis, les applications, c'est des applications Android, typiquement Android, qui vont vous faciliter vraiment la tâche. Donc, pour la première application que nous allons découvrir ensemble, il s'agit de Memory Note. Memory Note, c'est cette application que vous voyez ici. En gros, cette application-là, c'est une application qui est vraiment simple, voilà, une application qui est vraiment simple et conviviale, qui sert d'outil de prise de notes avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des rappels aléatoires. Donc vous voyez, lorsque vous allez prendre une note par exemple et vous voulez ajouter un rappel, vous avez cette possibilité-là d'ajouter des rappels. Et ce qui est vraiment génial aussi dans cette application-là, les notes peuvent être organisées en catégories telles que, ça dépend de vous, hein, vous voyez, il y a personnel, il y a financial, juste en haut ici. Il y a idées, il y a être, voilà, il y a self-programme, il y a vidéo, voilà, il y a des articles, si vous voulez faire des articles aussi. En fonction de la catégorie que vous avez choisie, vous pouvez ajouter des notes là, à l'intérieur. Voilà. Donc, ces catégories-là que vous voyez là, fonctionnent comme des filtres. Et les notes peuvent facilement être recherchées à l'aide des mots-clés. Donc, vous voyez juste en haut ici, si j'appuie sur la recherche qui est là, vous voyez le bouton de recherche qui est là, là, que je viens ici, que je mets par exemple, inspiration, vous allez voir que ça retourne directement la note. Donc, si vous avez plusieurs notes, vous avez cette possibilité-là de venir écrire dans la recherche ici et ça va trouver directement la note pour vous. Voilà. Donc, ça agit comme des mots-clés en fait. Vous pouvez le voir ici. Ça agit aussi comme des mots-clés. Si je viens et que je mets par exemple journée, journée par exemple, vous voyez que vu que dans mes mots j'ai mis journée, vous voyez que ça trouve directement la note en question. Donc, c'est super pratique. Et comme je l'ai dit, il y a un volet de rappel aussi dans ces notes-là pour vous rappeler. Si je viens sur YouTube, par exemple, vous avez cette possibilité-là de mettre des rappels. Vous voyez, vous allez venir choisir la date du rappel ici. Je peux mettre, par exemple, le 16, par exemple. J'appuie sur OK. Et vous pouvez venir mettre l'heure ici, l'heure du rappel. Comme ça, quand ça va arriver, l'application va vous rappeler que vous avez une note, en fait, directement dans cette application-là. Contrairement aux applications notes qui sont dans le téléphone, il n'y a pas de rappel. Et aussi, il n'y a pas de recherche aussi par mot-clé. Donc, cette application-là, elle est vraiment utile parce qu'elle va déjà vous permettre de pouvoir retrouver facilement vos notes et aussi d'ajouter des rappels dans ces notes-là pour aller plus rapidement. Donc, comme je l'ai dit, l'application en elle-même se nomme Memory Note. Je vais l'envoyer dans la communauté. C'est une application qu'il faut vraiment mettre à côté de vous parce qu'elle va vraiment vous faciliter la tâche. Pour ceux qui ont cette tendance-là de toujours prendre des notes dans leur téléphone, c'est vraiment l'application qu'il vous faut. Voilà. Pour la deuxième application que j'ai voulu vous présenter, c'est bien cette application-là que je retrouve. Il va s'agir de l'application Alami. Voilà, Alami, c'est cette application-là qui va vous permettre de vous réveiller par facilement. Donc, s'il est peut-être difficile de se lever le matin à tel point que vous devez mettre plus de 10 réveils, parce qu'il y a certaines personnes, pour se réveiller, ils ajoutent plus de 10 réveils, ils mettent plus de 10 réveils, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Vous devez vraiment prendre cette application-là, parce qu'avec cette application-là, il y a plusieurs niveaux de réveil. Quand je dis plusieurs niveaux de réveil, ça dépend un peu de ce que vous choisissez. Si vous venez mettre un réveil ici, vous avez cette possibilité-là de faire sonner le réveil une fois. Et aussi, il y a le volet, comment vous voulez vous réveiller en fait. Si vous voulez vous réveiller avec soit des calculs, par exemple, moi par exemple, lorsque mon réveil sonne, je dois forcément trouver le calcul. Vous voyez? C'est-à-dire quand le réveil sonne, par exemple, il y a un calcul qui s'affiche et je dois forcément donner le bon résultat
avant que le réveil ne s'éteigne. Parce que on a remarqué que il y a certaines personnes, lorsque leur réveil sonne, ils coupent en fait le réveil sans se rendre compte. Et ça peut être problématique si vous avez par exemple une réunion le lendemain et vous coupez le réveil sans vous rendre compte, bien évidemment, vous allez être en retard. Voilà, donc c'est pourquoi cette application-là vient en marche parce que tant que vous n'avez pas trouvé le résultat, vous allez voir que le réveil ne va pas s'arrêter de sonner. Donc c'est vraiment un réveil qui est vraiment fait pour ceux qui ont vraiment du mal à se réveiller. Et vous avez plusieurs niveaux de calcul. Donc vous voyez ici, il y a facile. Moi aussi, je suis normal. Hein. Voilà, il y a difficile. Difficile, ça va être vraiment un calcul difficile. Vous voyez, avec des équations. Imaginez que vous avez ce genre de calcul-là au réveil. Vous voyez que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Vous allez prendre une feuille et un bic pour pouvoir trouver avant de vous lever. Et il y a le très, très difficile aussi qui est là. Donc moi, je suis en normal. Là, il y a le difficile aussi qui est là. Voilà, moi je préfère plus en normal. Il y a le facile qui est là, vous allez résoudre ces problèmes-là facilement. Voilà, il y a le facile aussi qui est aussi là. Voilà. Et il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs problèmes. Il y a d'autres aussi. Si je fasse ça, que je viens de ajouter, vous avez un test de mémoire ici. Voilà, un test de mémoire où on va vous demander de mémoriser les cases qui sont en surbrillance. Tant que vous n'avez pas trouvé ces cases-là, le réveil ne va pas s'arrêter de sonner. Vous avez aussi ici le dactylographie ici qui va vous permettre de pouvoir résoudre cette phrase-là. Il y a aussi le problème de maths comme j'ai choisi ici, problème de maths que j'aime bien choisir. En dehors de tout ça, il y a réveiller votre corps. Vous allez pouvoir faire des pas. C'est-à-dire que l'application va détecter votre pas. Quand le réveil sonne, vous devez forcément marcher avant que le réveil ne s'arrête. Il y a aussi le code barre ici. Vous avez un code barre qui est dans votre salon. Vous allez prendre ce code barre. Tant que vous n'êtes pas levé pour aller scanner le code barre qui est votre salon, hein, l'application ne va pas s'arrêter. Il y a aussi un mode secoué. Vous devez secouer le téléphone avant que le réveil ne s'éteigne. Et aussi, prendre une photo aussi qui va vous permettre de prendre une photo d'homme âgé qui est assez éloigné de vous avant que le réveil ne s'éteigne. Et aussi, il y a le mot squat ici. Vous allez faire ces exercices-là que vous voyez. Tant que vous n'avez pas réalisé cet exercice, les 20 squats-là, le réveil ne va pas s'arrêter de sonner. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment le sport. Moi, j'aime plus le problème des maths ici qui va vous permettre de pouvoir résoudre les problèmes de maths avant que le réveil ne s'éteigne. Donc cette application-là, elle se nomme Alani. Elle est super pratique pour ceux qui ont vraiment du mal à se réveiller. Voilà. Pour la troisième application qu'on va découvrir ensemble, il va s'agir de Spotify. Spotify, c'est cette application que vous pouvez voir ici. En gros, c'est une application de lecture de PDF. Voilà. Qui vous lit le contenu écrit sur vos PDF. Donc, l'application est disponible sur Android ou iOS. Donc, ceux qui ont un téléphone iOS, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous aurez cette possibilité-là de pouvoir utiliser cette application-là. Donc, quand vous allez venir, on va vous demander d'entrer votre nom, tout simplement. D'entrer, si vous êtes travailleur et quoi, voilà, vous allez entrer ça rapidement. Voilà, donc l'application, comme je l'ai dit, elle est disponible sur Android et iOS et propose, je vais mettre une pause, voilà, et propose une version gratuite comme je l'utilise actuellement, ce qui vous permet de tester et de comprendre ses fonctionnalités avant d'opter pour la version d'essai qui est payante. Donc la version payante offre plus de fonctionnalités et est moins intrusive. Donc vous pourrez choisir parmi plus de 20 langues différentes, plus de 30 voix et même régler la vitesse de lecture et tout. Donc une fois que vous êtes ici, voilà, vous voyez, hein, vous allez tout simplement entrer votre test. Donc là, il doit forcément lire. Voilà, on vous donne les consignes afin de pouvoir mieux utiliser. C'est un message d'accueil que vous devez forcément. Donc je vais mettre sur pause rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on vous donne les directives sur comment utiliser l'application. Vous avez cette possibilité-là de changer la voix. Quand vous appuyez sur le personnage ici, vous pouvez choisir. Il y a la voix de Snoop Dogg, il y a la voix de Paltrow, la voix de Jessica, la voix de John. À vous de choisir un peu ce que vous voulez. Si vous voulez Jessica, vous appuyez continuer à Jessica. Et vous voyez que c'est Jessica en fait qui lit en fait le test et tout. Donc là, on vous montre comment utiliser en fait l'application et tout. Donc là, je vais passer. Donc juste à côté ici, vous pouvez régler la lecture, la vitesse. Vous pouvez régler ici la vitesse de lecture. Quand vous appuyez ici, vous pouvez augmenter ou bien diminuer la vitesse de lecture. Vous voyez, vous pouvez augmenter et diminuer la vitesse de lecture et tout. Voilà.
Voilà, donc ici, vous allez venir choisir où le PDF se trouve en fait. Voilà, donc ici, on vous donne un peu les directives et tout. Vous pouvez scanner, voilà, vous pouvez scanner la page d'un livre, vous pouvez copier, coller, vous pouvez ajouter un lien, ou bien vous pouvez ajouter le fichier directement dans votre ordinateur ou bien votre téléphone et tout. Voilà, donc ici, vous avez les fichiers que vous avez eu à ajouter. Voilà, next. Son, voilà. Donc ici, vous pouvez ajouter un fichier directement. Voilà, quand vous appuyez sur From your computer, vous pouvez ajouter directement. Vous allez copier le lien sur votre ordinateur. Lien copié, vous allez pouvoir l'ajouter sur votre ordinateur. Donc si vous voulez ajouter directement de votre téléphone, je pense que c'est un port du phone ici. Donc, on vous demande de créer un compte d'abord. Donc vous allez créer un compte. Je vais créer un compte rapidement pour vous montrer comment l'utiliser. Voilà, la création de compte est rapide. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez venir appuyer sur YouPhone ici et vous allez ajouter votre PDF facilement. Voilà, donc moi je sais pas en fait quel PDF ajouter. Questionnaire. Moi je sais pas trop parce qu'il y a des fichiers confidentiels ici et tout. Bon, je sais pas trop. Donc vous allez venir ajouter votre PDF et vous allez voir que l'application va pouvoir lire en fait ce PDF-là pour vous. Donc si vous avez un livre par exemple, que vous n'avez pas envie de vous fatiguer pour lire tout le livre, vous allez ajouter le livre tout simplement et vous allez voir que l'application va pouvoir lire le PDF pour vous facilement. Voilà, on va pouvoir lire le PDF pour vous facilement. Voilà, vous pouvez changer le thème, appliquer des thèmes, thème nuit, thème sombre. Bon, c'est un peu pareil. Hein. Voilà, donc ici on est plus dans les paramètres et tout. Voilà, donc c'est une application super pratique. Vous pouvez choisir la langue. Voilà, vous voyez ici, il y a plus de 20 langues, vous pouvez choisir la langue de lecture et tout. Donc ici, il y a des vidéos, des tutos ici, pour vous montrer comment il est possible de pouvoir utiliser l'application. Voilà, donc comme il a dit, l'application se nomme Spotify, afin de vous permettre de pouvoir l'utiliser facilement. Voilà. Pour l'application suivante que j'ai voulu vous présenter, c'est une application vraiment pour nos femmes et tout. Ça se nomme Kitchen Story. Donc ici, Kitchen Story, c'est une application de recettes étonnante. Hein. Voilà. Donc elle est vraiment bien conçue avec une interface propre, extrêmement conviviale et pratique. Donc la version gratuite est disponible pour Android et puis iOS et propose des recettes en fonction de votre régime alimentaire et vos préférences culinaires. Donc, ce qui est vraiment dommage, il faut retenir ici, c'est que l'application est disponible en anglais et en allemand, mais elle n'est vraiment pas disponible pour la version française. Donc, ici, en plus des recettes, elle permet également de générer rapidement la liste des courses que vous devez effectuer pour réaliser ces recettes-là qu'on pouvait voir ici. La liste des courses que vous pouvez réaliser ces recettes-là. Et aussi, il y a des vidéos aussi pour vous permettre de faire étape par étape, de réaliser étape par étape, c'est recette et tout. Si vous voulez faire cette recette, par exemple, vous allez appuyer sur Star, ici Star Cooking, ici, et on va vous montrer étape par étape qu'est-ce que vous devez faire. Première étape, deuxième étape, troisième étape, ici, quatrième étape. Ici, vous allez dire, une fois que vous avez suivi ces étapes-là, vous allez faire la photo de tout le contenu de ce que vous êtes arrivé pour passer au niveau suivant. Donc, vous voyez. Vous devez être à cette étape-là normalement. Une fois que c'est fait, vous allez faire la photo ici. Voilà, vous allez faire la photo et vous allez pouvoir profiter au maximum, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est une application qui va vous demander, qui va vous donner étape par étape le menu pour réaliser ce que vous voyez ici. Donc, vous avez ici la liste des courses, vous avez les étapes ici. Vous appuyez sur Star Cooking ici, on vous montre qu'est-ce que vous devez faire. Donc c'est une application super pratique, hein, super pratique qui va vous permettre de pouvoir réaliser la cuisine assez facilement chez vous à la maison. Voilà. Pour la dernière application que j'ai voulu vous présenter, il s'agit de ce. Ce, c'est une télécommande universelle. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, il y a des téléphones qui vous permettent de pouvoir éteindre des climatiseurs, allumer des télés. Commander des projecteurs avec votre téléphone. Mais avant de pouvoir l'utiliser, cette application-là ne passe pas sur tous les téléphones. Vous voyez que moi, j'ai mis des climatiseurs ici, ma télé ici. Donc, avec cette application-là, je peux éteindre ma télé, je peux changer la chaîne de ma télé, je peux
allumer le climatiseur, éteindre le climatiseur, faire plusieurs trucs sur plusieurs appareils. Vous voyez ici, quand vous venez ici, vous avez cette possibilité-là de pouvoir faire assez de choses. Voilà, donc fonctionnalité ici, vous pouvez ajouter un nouveau périphérique ici, qui est, vous voyez, il y a la télévision, il y a les décodeurs, il y a la climatisation, il y a les récepteurs AV, périphériques de son domotique, les têtes de disque, projecteurs. Donc, vous pouvez changer, utiliser tous ces appareils là, avec votre téléphone. Donc, votre téléphone va devenir comme une télécommande universelle. Mais comme je l'ai dit, elle ne passe pas sur tous les téléphones. Veuillez regarder sur votre téléphone, en haut du téléphone, si vous avez une petite lumière rouge, une infrarouge. Voilà. Moi, j'utilise un Redmi Note 9 Pro actuellement. Il y a cette option-là dans ce téléphone qui me permet de pouvoir utiliser ces paramètres-là. Mais si vous n'avez pas cette option-là, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir utiliser cette application dont je vous parle. Donc, cette application se nomme Sous. Je vais l'envoyer dans la communauté aussi afin de vous permettre de la voir. J'espère vraiment que ces applications vous ont plu. N'oubliez pas de me laisser des commentaires pour m'encourager juste en bas et aussi de partager cette vidéo à vos amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.